Fashion has become a truly global business, and the world has a changing attitude towards Africa as African designers are starting to gain global status. The African Development Bank met with different actors to see how they describe the Ivorian fashion industry. Il faut dire que la mode ivoirienne, déjà, c'est une mode qui est très évolutive et qui est très prisée. Déjà, aussi bien au plan national qu'au plan international. Au niveau de la production, de la créativité d'abord, on n'a aucun problème. Au niveau de la production, malheureusement, on n'est pas encore à grande échelle. Chaque styliste produit avec sa petite équipe et tout, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut passer à une autre phase, qui est une phase d'industrialisation de cette mode-là, pour être vraiment présent sur le marché et couvrir même la sous-région au-delà de la sous-région. Les nouvelles technologies peuvent apporter beaucoup et ont commencé à apporter même, je devrais dire, beaucoup au niveau de la vulgarisation, de la promotion donc, de cette mode ivoirienne. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de blogueurs, vous avez une présence de stylistes sur les réseaux sociaux. L'objectif essentiel du magazine est de faire la promotion des acteurs de la mode en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a choisi l'objet d'éthique, c'est-à-dire les nouvelles technologies, parce qu'on pense que c'est un moyen d'atteindre beaucoup plus de personnes et de toucher beaucoup plus facilement du monde. Formation, industrialisation. Le gros problème, je pense, de la mode ivoirienne et africaine, même en général aujourd'hui, c'est un problème de production, un problème d'industrialisation. Blisco, à lui seul, ne suffit pas. La majorité de la production, c'est pour l'Afrique. Donc, ce serait bien justement d'associer les créateurs africains à Blisco pour pouvoir justement produire plus et puis toucher un plus grand nombre de femmes africaines qui ont de moins en moins de temps. Il y a des stylistes aussi là, qui sont là aujourd'hui, qui embauchent aussi vraiment plein de monde. Actuellement, aujourd'hui, vous pouvez trouver plein de jeunes qui travaillent ici. Dans l'atelier de confection, vous avez deux ateliers. L'autre atelier de confection, on fait les tenues le jour. L'autre côté aussi, on fait les tenues aussi la nuit. Voilà, donc à peu près, il y a au moins 40 personnes, 40 couturiers de chaque côté. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, on peut embaucher au moins 80 personnes. La mode aussi peut faire émerger un pays. Les jeunes Africains, les jeunes créateurs doivent arrêter le travail artisanat. Personne ne va venir nous prendre la main, nous donner des millions pour agrandir nos sociétés, nos entreprises, nos ateliers. C'est petit, mais ce sont nos entreprises. Il faut que nous essayions de nous mettre ensemble. Et ça, c'est moi mon projet aujourd'hui. Je pense que si avec 250 couturiers ivoiriens, petits comme grands, qui commencent déjà à créer un réseau de couturiers, se mettre ensemble, ont une cotisation mensuelle fixée à 20 000 francs par mois pour les moyens, ou même 10 000 francs par mois, 250 couturiers, ça fait 2 500 000 par mois. Et si on arrive à tenir cela pendant 2 ans, on est à près de 30 millions. Et 30 millions, ça peut nous aider à industrialiser notre travail. The challenges and opportunities faced by Côte d'Ivoire in manufacturing, distribution and consumption are shared by many African countries. Yet, a third of the continent's 1 billion people are now upwardly mobile. And over the next decade, Africa will become a lucrative frontier opportunity as both a source of production and a consumer market for fashion. So, what will it take for Africa to truly join the global fashion system?